Votre demande principale aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez à Macron ? Ah bah de partir. D'accord. Ouais, là faut... Vous voulez la destitution de Macron ? Ah oui, là faut arrêter là. D'accord. Ça s'est fait promener. Quand je vois qu'il y a pas longtemps, il s'est acheté de la vaisselle à 450 000 euros, on n'a même pas été invité à manger en plus. Ce qui est relativement triste. On a rencontré un député hier, parce que nous, voilà, on est pacifistes, on essaye de trouver des moyens ensemble. On était une délégation de 4. On y est allé, on a discuté avec lui. Vous savez pas ce qu'il nous a sorti ? Ce qu'il a eu le culot de me sortir ? Mais on est dans une période de transition, ça va aller mieux en 2021. Mais monsieur, mais putain, c'est maintenant qu'on crève la faim. Ouais, c'est maintenant qu'on crève. Qu'est-ce qui vous est arrivé exactement ? J'avais une personne qui était au sol là, parce qu'elle s'est pris un coup de matraque ou de je sais pas quoi, avec le collègue là-bas là, qui est en tenue de secouriste. On est allé porter secours et ils nous ont tiré comme des lapins. Hein. En fait, vous êtes allé aider quelqu'un qui était à terre. Pompier. Vous êtes pompier, ouais, et les mecs vous ont tiré flashball à bout portant en fait. Ils tirent sur les pompiers. Je te le dis, ils tirent sur les pompiers. Tirer des mecs qui sont au sol, franchement, je vois pas l'intérêt, les gars. Non ? On n'est pas en démocratie, on est en dictature. On se fait tirer avec ça. Moi, je me suis pris ça dans le pied. Là-bas, il y a une tache de sang. Je vais vous montrer la tache de sang. Le peuple, il ne fait rien et on nous tire à bout portant avec ça. Regardez le nombre de taches de sang qui sont là-bas. On va aller voir les taches de sang. Alors, en effet... On constate montrez une tache de sang, ça, un sang ça, qui est frais. Hein. Montrez ça. Voilà. Donc là, le sang des Français a coulé. Le sang des Français, il faut le dire. C'est pas les gendarmes qui tirent, c'est pas les gendarmes. Faut bien le préciser. C'est pas les gendarmes, c'est pas les militaires. C'est la police, c'est la BAC. C'est la BAC, c'est la police. C'est la police de Macron. Vous avez vu ce qu'ils font la police quand même ? Franchement. Au début, depuis tout à l'heure, ça se passe bien, tout est tranquille, tout le monde est bien. Et arrivé là, c'est eux qui font quoi ? Ils nous défoncent. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Ouais, c'est vrai. Là, il y a une fille, elle a perdu un œil. Devant nous, on l'a emmené derrière, là-bas, derrière. Elle a pris un flashball juste là. Son œil s'est décaloté. Je vous jure que c'est vrai. Là, je vous jure que c'est vrai. Il y a un mec de l'autre côté, son œil est tombé. Regardez. Oh putain. Vous avez vu ? Et elle a pas de gilet, elle a rien. Elle est tranquille. Elle c'est une fille, elle a rien. Elle a pas de elle gilet, elle a rien. Elle s'est pris en pleine tronche. Et après, ils vont dire quoi ? C'est nous qui engrainons, c'est nous qui faisons quoi ? Quand on voit ça, c'est normal qu'on réagisse, les gars.